Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de Détroit. On est parti. Et du coup, je disais au stream les petits ploc-ploc que vous entendez peut-être sur mon micro sur les épisodes précédents. Normalement, c'est réglé. Non. Je touche du bois. Putain, les chargements aussi longs que Heavy Rain. Allez. J'aurais peut-être dû lancer ça avant. Mais bon, comme ça, on a vu la petite dame du début. C'est bien aussi. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là? Ah, on va être avec Kara et la petite, non? Je sais plus comment elle s'appelle, la petite. Ah oui, c'est Alice, la petite. Réveille-toi. On doit descendre. Ok. J'ai rien dit. Ça a pas l'air d'être un androïde, alors je sais pas. Je sais pas trop. Ça va aller. On aurait peut-être dû lui demander. On trouvera un endroit pour la nuit. Bichette. Allez, Alice, on doit se dégager. On a vu. Y a pas un hôtel là? Faut traverser, c'est vert. Ah non, ça c'est un café. Merde. Très inconfortable mais discret. Nourrira qu'au matin. Merde. Ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7, impossible de rester. Attends, va pas sur la route. Là-bas, c'est un motel, non? Ok. Merci. Un motel. On a trouvé un endroit où dormir. $40. Ok, donc on a tout débloqué. Allez dans la maison. On va peut-être aller au motel, non? Je sais pas si on a des thunes, en fait. Ah. Pas d'androïde. On doit trouver $40 et se débarrasser de cet uniforme. Ou chercher un autre endroit. Elle est partie où? Ah, elle est là. Good morning.
Sinon, il y a la maison. Et qu'est-ce qu'elle fout? On va pas te mettre sur la route. Mais viens, neuneu. Pourquoi elle est restée là-bas? Qu'est-ce qu'ils nous disent avec ça? Ah, réconforter Alice, merde. Bon, le feu n'est pas vert, mais visiblement ça passe. Alice, tu es frigorifiée. Ça va, j'ai pas trop froid. Tu as l'air perdue. Nous n'avons nulle part où aller. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Mais c'est à l'autre bout de la ville. Il nous faut un endroit pour ce soir. Est-ce qu'on pourrait pas rentrer là-dedans, là? Une maison abandonnée. Au moins, on sera au sec là-dedans. Kara, j'aime pas cet endroit. Je sais. Mais c'est juste pour la nuit et personne ne nous trouvera ici. Ok. J'aimerais bien dormir à l'hôtel en vrai. Mais pour ça, il faut qu'on trouve des thunes et je sais pas où est-ce qu'on peut trouver ça. Le magasin est encore ouvert, on devrait peut-être rentrer. Au moins, tu seras au chaud. Convaincre le caissier d'aider. On va aller le voir. Des centaines d'espèces, la plupart disparues aujourd'hui, ont été recréées sur plus de 40 hectares de décors naturels. Qu'est-ce que tu veux ? C'est un humain. Je suis avec une petite fille et nous n'avons nulle part où aller. Pourriez-vous nous prêter un peu d'argent pour qu'on prenne une chambre ? Merde. Une androïde sans abri ? Ça, c'est la meilleure. Écoute, t'es dans une supérette, pas à l'armée du salut, ok? Je pense que tu ferais mieux de t'en aller si t'achètes rien. On va pas le voler, vas-y. Qu'est-ce qu'elle fout? Viens. Pas trop quoi faire. Je suis un peu en mode Life is Strange, genre j'ai pas envie de lui montrer le mauvais exemple. Non. Voilà. On peut pas tirer des vêtements ici là? Il fait bon ici. Tu vas vite te réchauffer. On va lire. Je sais pas si... En vrai, je sais pas si ça a un impact particulier, mais...
Ça le met dans les choix de fin, là, quand on a lu. Donc bon, je me dis, je vais regarder vite fait. YouTube, hein, si jamais vous voulez lire, vous mettez pause. Merde. C'est vide. Ah, l'autre, il dort. Bon, eh ben on va aller à l'endroit que t'aimes pas. Tu as raison. On n'y touche pas, d'accord. Je sais pas trop quoi faire là. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va pas aller dormir dans le parking. Là, il y a que dalle. Ah, attends. On cherche quelque part où dormir. Tu sais où on pourrait passer la nuit? Bon. Je ne sais pas trop quoi faire. Aller par là. Il n'y a rien d'autre par là. Je suis vraiment perplexe là, je sais pas quoi faire. Sinon, on va finir dans le parking, hein, écoutez. Rien de particulier là. La gare est trop loin. Eh ben écoutez, tant pis. On va aller dans le parking. T'as qu'à nous laisser voler les vêtements, voilà. On aurait peut-être dû demander au mec dans le bus en vrai, hein. Mais bon. On nous aurait peut-être donné un peu d'argent ou je sais pas. En vrai, ça aurait été pas mal qu'on se débarrasse de nos fringues quand même. Peut-être pour la suite, au-delà du... Au-delà de... Je finis pas mes phrases, hein. Au-delà de l'hôtel, enfin du motel, ça aurait peut-être été bien. Mais c'est où le parking? Dormir dans la voiture abandonnée. Merde.
Après ici, il y a peut-être des trucs à trouver. Hein. Ah, la pince coupante. Ok. Là, il y a quoi? Ah. Est-ce que ça va? Oui, c'est juste une égratignure. Fais attention. Ne t'inquiète pas, on va juste jeter un œil. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Je pense qu'on va dormir dans la maison hein, en espérant qu'il n'y ait pas des gens déjà. Alice ? Alice ! Mais elle est partie où ? Putain. Réponds-moi quand je t'appelle. Non, attends, qu'est-ce que tu fais ? De la visite ? Ralph n'aime pas les visiteurs, ils sont dangereux. Ils peuvent blesser Ralph. J'ignore ce que les humains t'ont fait, mais elle n'a rien à voir là-dedans. Tous les humains veulent nous faire du mal. Mais Ralph ne laissera pas recommencer, jamais, non, pas question. Je pensais que l'endroit était vide. On cherche juste un endroit où passer la nuit. Les visiteurs sont dangereux. Regarde ce qu'ils ont fait à Ralph. Tu n'as rien à craindre, tu sais. On ne te fera aucun mal, je te donne ma parole. Il faut excuser Ralph. Ralph a encore du mal à contrôler ses gestes. Parfois, ses peurs lui font faire des choses qu'il regrette. Ralph a vécu des moments durs. Il a peur que les humains l'enferment à nouveau. Restez, si vous voulez. Ralph vous fera pas de mal. D'accord. On reste juste pour la nuit. Allez ! Je sais pas si c'était une bonne idée. Allez, venez ! Et il part ici. Et Ralph habite ici depuis qu'il s'est échappé. Et Ralph ne sort jamais, personne ne sait qu'il habite ici. Des squatteurs humains passent de temps en temps, mais Ralph se cache jusqu'à ce qu'il parte. J'espère que c'était pas une erreur. Vous pouvez faire comme chez vous ici. Ralph va se rendre dans la pièce à côté. Il voudrait rester avec vous, mais il a des choses à faire. C'est juste pour cette nuit, Alice. On trouvera un meilleur endroit demain. Voyons où tu pourrais dormir. Assieds-toi, je vais faire du feu.
On est obligé d'allumer un feu, parce que ça va indiquer notre présence ici, non? Je sais pas si on fait les bons choix, hein, je vous avoue. J'ai peur de laisser la petite solo. Tu veux pas venir avec moi, Alice? Ah là, il y a du bois. On va prendre ce bois-là. Et le bois qui est là non plus. Bah. Ah merde. Trouver une couverture. Y a pas une porte là? Bah si, une porte. Y a rien à prendre ici là? Y a du bois partout, on peut pas le prendre. Quelle est cette sorcellerie? C'est bon, il y a rien arrivé à Alice. Merde, c'était quoi ici là, prendre? Ah, du bois. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, oh, RA9. Et I'm alive, hein. Il a noté les mêmes trucs que l'autre. Ok, ça c'est bon. Maintenant il faut que je trouve une couverture. Ah, un petit oreiller. Et une couverture. Ah, il n'y a rien d'autre ici, ok. Tu peux venir te coucher. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est pas grand chose, mais au moins tu seras au chaud. Oh, mais il y a même une autre couverture en plus, c'est parfait. Pourquoi il m'a jamais aimée? Pourquoi il était toujours fâché contre moi? C'est la drogue. Il voulait juste vivre comme les autres filles. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être que j'ai pas été assez gentille. C'est pour ça qu'il était toujours en colère. Je voulais juste qu'on soit une famille. Je voulais juste qu'il m'aime. Pourquoi on pouvait pas être heureux? J'en sais rien, Alice. Tu me quitteras jamais, hein? Promets-moi que tu me quitteras jamais. Je te le promets. On restera ensemble pour toujours. J'espère que ça va pas nous porter préjudice de lui avoir dit ça. Dans la mesure du possible. Pas si je me fais fracasser la gueule ou que sais-je. Mais je vais tout faire pour en tout cas.
Bon, on n'a pas trop mal géré, je pense. Alors, voyons voir un peu. Il y a des trucs qu'on a ratés hein, pour changer. Alors, parler à l'androïde des boueurs, entrer dans le supermarché. Parler au vendeur, repérer la caisse. Bon là, c'est toutes les suites, j'imagine, si on vole l'argent. Il y a peut-être d'autres petits trucs ici qu'on peut faire, je ne sais pas. Par contre, visiblement, il n'y avait rien de... Genre, si on parlait au gars dans le bus, ça changeait rien, j'ai l'impression. Il y a un truc qu'on n'a pas vu, attendez. Examiner le motel, examiner le parking, examiner le squat. Il y a un truc entre les deux, mais après, c'est... tu me diras peut-être si on parlait au chauffeur, il nous donnait une possibilité supplémentaire, je sais pas trop. Aller au parking, sortir du parking, prendre la pince coupante. Couper la clôture du parking dans le squat. Rencontrer Ralph. Convaincre. Suivre Ralph. Faire un feu, faire un lit. Peut-être un autre truc qu'on aurait pu faire là du coup. Parler à Alice. Ah mais non mais là c'est peut-être... Oh, je sais pas. Promettre Cara dort près d'Alice, passer la nuit dans le squat. Ok, et ben continuons. On est avec qui là? Ah, c'est peut-être Marcus, non? J'en sais rien. Ah, Marcus dans un sale état ou un nouvel androïde. Mais je pense que c'est Marcus. Oui, c'est Marcus. Bon, on est dans un état, bordel. On s'est fait démarrer. Diagnostic. Merde, faut rester appuyé. Données audio endommagées. Système de mode économie d'énergie défectueux. Composant de jambes gauche et droite. Disparu. Il ne veut pas se tenir debout. Alors... Ouah, c'est hyper particulier le son là. Composant de jambe droite. Merde. On est reparti pour ramper. Endommagé, incompatible. Compatible. Oh, c'est la décharge des androïdes.
Il y en a partout. Ok, on a nos deux jambes. On veut pas récupérer un œil et une oreille là ? Oh, l'ambiance elle est incroyable. Oh, j'en étais sûr. Il existe un endroit où on peut être libre. Trouve Jéricho. Trouve Jéricho. Ok. Oh. Comment c'est cringe cette scène. Où est-ce que tu vas? Lâche-moi. Trouver une unité optique, trouver une pompe de régulation et les trucs audio. Ok. Incompatible. Ah putain. Je repars en arrière si je vais par là, non? Là, il y a un truc. Putain, c'est incompatible. Ah merde, il y avait un truc là. Putain, incompatible encore. Ah, non. J'aurais peut-être dû rester en bas, non? Ouais, faut que je remplace les pièces endommagées avant. Ça, c'est bon, non? Compatible. Ok. Déjà ça c'est fait. Compatible. Ah, on va avoir un son un peu mieux là.
Ah. Il y a plus son. Ouah, c'est fort. Ça va le stream? Vous m'entendez toujours? Ok frérot. Bon allez, il nous manque plus qu'un œil là. C'est bon, le son est redevenu normal. Où est-ce qu'il nous reste des trucs? Bon, apparemment, il n'y a pas de pièces compatibles. Où est-ce qu'il y a... Il manque des trucs, là. Où est-ce qu'on n'a pas été? Et ben voilà! On va voir les yeux verrons. Parce que notre œil, il est marron là, non? Et là, c'est un bleu. Oh putain! Ça fait vraiment film d'horreur, quoi. Ah non, on avait les yeux verts. Vert gris. Ouais, vert. Ok, gravir la pente. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on va enlever notre...
Ah, du coup, on voit plus qu'on est un androïde. Je m'appelle Marcus. Comme par hasard, il y a un long manteau qui l'attend là. Mais il va être trop stylé avec ça, je pense. Il y a des trucs qu'on n'a pas vu visiblement. Mais bon, dans l'ensemble, on a tout fait. Stats du monde. Ah, il n'y a pas de stats ici. Ah, si, un peu là. Une grue jette des corps. Se déterrer, ok.